La joie des élus après la publication par la CENI de la liste de 477 députés nationaux provisoirement élus, des réactions des CNS et des vandalismes à suivre dès le début de ce journal. Et puis le trafic suspendu depuis septembre 2023 entre Kilungwetwe et Burunui dans les territoires de Mwenga, des centaines de camions bloqués dans des bourbiers suite au délabrement de la RN5. Des cas de maladies sont déjà signalés. Lutte contre le paludisme. Le gouvernement de la République recommande l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Une campagne de distribution gratuite est lancée dans la capitale. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette première édition du journal en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour. La joie de ceux qui ont été élus d'une part et la reconnaissance aux électeurs pour ceux qui n'ont pas été élus d'autre part, mais également des scènes de vandalisme signalées après la publication par la CENI de la liste de 477 députés nationaux provisoirement élus au terme des élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Oscar Mbal, reportage. Joie époustouflante dans les états-majors des regroupements et partis politiques qui ont sorti des députés nationaux à l'élection du 20 décembre 2023. Les cas du regroupement AVCA de Didier Boudimbou, ministre des hydrocarbures, élu à... Notre réussite, c'est notre... C'est l'AVCA, on peut même dire, c'est l'AVCA qui a gagné. Les candidats qui n'ont pas atteint les suffrages requis ont reconnu avec fair play leur défaite. Mes électeurs, je tenais à vous remercier. Vous n'avez pas démérité, nous n'avons pas démérité. Ceux qui ont eu la possibilité d'avoir ce seuil-là ont été élus. Nous les félicitons. Donc nous n'avons pas démérité. J'encourage la population de Tchangou. Nous pouvons servir le pays autrement. D'abord, nous avons remercié les électeurs. Merci à tous mes électeurs de Boulungu. Même si je ne suis pas passé, je vais continuer avec mon boulot. Merci na Jesse Bosalaki, na ba déplacement de Mende Boyaki. Tous les fanatiques de la maison mère, Bokita Moutemo. Problème est à la montée. Et on continue le boulot dans la salle. D'autres s'insurgent contre les actes de vandalisme dont ils ont été victimes les jours de la publication. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand vous perdez une élection et vous vous en prenez aux autres, aux voisins, même s'ils sont de même bord que vous. Ce n'est pas possible, voilà ce qui vient de se passer. Ça, c'est le siège de Dynamique Toumba, le siège des anciens élèves de l'Institut Toumba du Congo central, là où a étudié le président de la République. Voilà, hier, très tard la nuit, après la publication des résultats, un monsieur qui a lamentablement échoué est venu s'en prendre à notre siège. Voilà, ça c'est ma voiture qui a été cassinée. Et le bureau, vous voyez dans quel état il se trouve. Donc, vraiment, ça doit cesser cette histoire. Élu ou pas, l'essentiel c'est de contribuer à la vie de la nation. À l'Équateur, la population s'est souvenue de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Regardez. Le chef de l'État, Fatou Bentor, a été élu normalement. Il a été élu massivement. La CENI a proclamé les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Donc, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de doute, le président a été élu comme il fallait. Nous sommes tellement contents parce que c'est la première fois de voir un président de la République qui a distingué 73%. Nous connaissons en 2006, il y a un président qui était sorti avec 46%, même dans une école primaire. Dès que vous avez 46%, c'est les chefs. Mais cette fois-ci, félicitations à M. Kadima pour le travail qu'il a fait. Et nous avons constaté qu'on a publié, c'était pendant la journée, pour montrer que tout était clair. Et tous les 26 candidats, tout le monde était en possession de preuves. Et personne ne pouvait pas contredire. C'est pourquoi on a remarqué qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu saisir la Cour constitutionnelle parce qu'ils étaient conscients que non, les résultats publiés par la CENI étaient réels. Félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Bentor,
que l'Équateur a voté massivement. Et nous attendons voir la réalisation de tout ce qu'il a promis au grand Équateur. Nous les félicitons. Alors que l'on attendait les résultats des législatives, certains de ces résultats ont été annulés en raison d'irrégularités et de fraudes. Alors que pense la population à ces sujets? Nous avons promené notre micro sur les grandes artères de la capitale. Ce que la CENI a fait, c'est une très bonne chose. Je suis en train de penser, estimer qu'il faudrait peut-être changer le vocabulaire. Au lieu de parler de l'invalidation, j'ai comme l'impression que le terme est un peu fort, parce que tous ces candidats n'ont jamais été d'abord validés comme députés. Donc à ce stade, on ne peut pas parler de l'invalidation. Et on peut peut-être parler simplement d'une annulation. Pour cause de tout ce qui est grief, fraude, tricherie. Moi, je n'ai pas apprécié la procédure de la CENI. Parce qu'aujourd'hui ou demain, nous pouvons voir ces gens-là à nouveau investis par la Cour constitutionnelle. Je pense que la CENI aurait dû, étant partie prenante, saisir d'abord la Cour constitutionnelle en invalidation de ces candidats-là. Et non, ce n'est pas de sa compétence d'invalider. Parce que ça risque de constituer un vice de procédure et que sa décision soit annulée et que ces gens-là soient réinvestis. Le fair play, ce n'est pas seulement en football ou en sport en général, mais également en politique, où on gagne ou on perd. Et maintenant, il y en a qui, sur le terrain, ont pu tricher, ont pu pratiquer ce qu'on peut qualifier de mauvais jeu. Parce qu'il y a des joueurs et il y a les jeux. Il faut savoir jouer comme il se doit. Et quand, sur le terrain, vous faites le mauvais jeu, et l'arbitre sanctionne. Il faut être conséquent. Il faut accepter la sanction. C'est encore le fair play dont je parlais. Et à mon humble avis, chacun doit être conséquent par rapport aux actes posés. C'est une première dans notre pays. Tout le monde est en train de crier au changement. J'ai comme impression que les gens crient au changement, mais dans leur mental et dans leur savoir-faire, il n'y a pas de changement. La CENI, en tant qu'institution de la démocratie, doit avoir des éléments probants qui montrent que réellement, il fonde son jugement sur les éléments qu'il a, parce qu'il ne peut pas dénoncer des gens comme ça sans pour autant avoir des éléments. On peut comparer les jeux politiques actuellement, surtout ceux-là qui sont en train de postuler, comme les gens qui sont en train de jouer à la loterie. Ils pensent que maintenant c'est dans la politique où il faut aller pour s'enrichir, dans la politique il faut aller pour avoir des immunités, dans la politique on peut faire tout sans pour autant qu'il y ait des sanctions. La mission d'observation électorale de l'Église de Réveil du Congo vient d'élaborer un rapport global. Cette mission félicite la CENI pour le travail abattu et remercie la population du soutien de cet exercice démocratique. Quelques recommandations ont été formulées. Rodépanda. La mission d'observation électorale des églises de réveil du Congo, MOE-RC, s'est engagée à faire le suivi du processus électoral avant, pendant et après la publication de résultats pour la poursuite de la surveillance de scrutin du 20 décembre 2023 qui a concouru à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat en attendant la suite de la publication des élections de députés à tous les niveaux et au regard des plaintes et dénonciations faites par la CENI et les services judiciaires. La MOE RC fait quelques recommandations. Précision avec le chef de mission Jean-Martin Bravo Yoka. Cette communication circonstancielle de la MOE RC est présentée à l'issue de la publication de résultats définitifs des élections présidentielles du 20 décembre 2023. Notre déclaration a pour but de réaffirmer notre vision, à nous exprimer d'une manière indépendante sur base de nos constats et informations vérifiables. Nous nous autorisons à féliciter la CENI pour le processus du scrutin présidentiel. La MOE ERC recommande à la CENI de se forcer à afficher les résultats au niveau de CELSER. D'autre part, nous recommandons que le traitement du dossier des élections annulées de Massima Nimba et ce qui se retrouverait dans les rapports définitifs et global. L'annulation de scrutin de Massima Nimba a, selon nos observateurs, préjudicié les personnes qui ont travaillé réellement. La CENI devrait donc tenir compte
des dispositions de la loi pour permettre aux uns et aux autres à faire de recours dans le respect des prescrits de la loi. Pour terminer, nous félicitons le peuple congolais pour sa participation patriotique aux élections du 20 décembre 2023. Nous apprécions leur engagement à exercer leur droit de vote malgré les difficultés rencontrées. Par ailleurs, la MOE RC félicite la CENI pour les efforts consentis et l'encourage à faire toujours mieux au profit de tout le peuple congolais. Autre chose, le mariage du pasteur Pierre Kassongo de l'église La Primitive avec une présumée mineure, la ministre provinciale du Jeune, Famille et Enfants du Congo central, Carole Kiatazabou, condamne cet acte. On l'écoute. Chers compatriotes, depuis quelques jours, la cité de Mwanda au Congo central a été le théâtre d'une scène infâme qui a jeté l'opprobre sur les valeurs Congo, en particulier et a porté une atteinte grave aux mœurs de la République démocratique du Congo en général. Selon les vidéos qui circulent sur les réseaux suscitant un tollé public, la regrettable scène met en exergue une prétendue cérémonie de célébration de mariage entre M. Pierre Kasambakana, pasteur et représentant légal de l'église primitive au Congo, et une fille visiblement mineure dans un hôtel à Mwanga. En ma qualité de ministre provincial du genre, famille et enfants du Congo central, et de ce droit, incarnant dans la province de Mbuta Joseph Kasavubu, la lutte acharnée des femmes contre le mariage forcé et toutes sortes de violences basées sur le genre, je suis profondément indignée devant une telle abjection qui non seulement ternit mais aussi dégrade considérablement l'image de marque de la femme et celle de la jeune fille dont la promotion des droits les plus fondamentaux constitue l'un des chevaux de bataille de la vision salvatrice de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Par conséquent, tout en condamnant avec fermeté un acte aussi ignoble, tendant à retourner la RDC à l'état primitif et en faisant appel à l'implication personnelle de la distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, je demande aux autorités compétentes de la justice qui sont déjà saisies de l'affaire de faire objectivement leur travail jusqu'à ce que justice soit faite et l'ordre public rétabli. Je vous en remercie. Sauf changement des dernières minutes, c'est dans 5 jours, soit le 20 janvier 2024, qu'est prévue la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Et en prévision de cette cérémonie, où des invités des marques sont attendus, le directeur général de la RVA a fait l'état des lieux de l'aéroport d'Ndjili. Paulette Lomba pour plus de précisions. À 6 jours de la prestation de serment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévu le 20 janvier 2024, toutes les batteries sont mises en marche pour réserver un accueil chaleureux aux différents hôtes de marque du chef de l'État à cette cérémonie d'investiture. Au lendemain de leur prise de fonction à la tête de la Régie des voies aériennes SA, Léonard Ngomambaki, directeur général, ainsi que son adjoint, Louis Blaise Londolé, ont effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Ndjili pour s'enquérir de l'état de lieu et des conditions de travail des agents de cette entreprise. Une visite qui a débuté par le salon diplomatique réhabilité, puis le parking devant l'aérogare nationale, le terminal international, les salons VIP, ainsi que toutes les dépendances du circuit départ et du circuit arrivée, la salle de contrôle, la soute bagages et la piste ont fait également l'objet de beaucoup d'observations de la part de l'autorité de la RVA SA. Juste une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution des travaux, parce que vous savez que le pays se prépare à un grand événement. Nous aurons une grande délégation qui viendra de plusieurs pays. Il faut se rendre compte de l'évolution des travaux d'accompagnement, comment les choses se passent. Au terme de cette visite à l'aéroport international de Ndjili, le directeur général Léonard Ngomambaki a formulé quelques recommandations aux agents et cadres de la RVASA. L'instruction a été donnée au commandant d'aéroport pour l'exécution sans faille de ses dispositions. On reste dans ces secteurs cette fois pour parler des travaux de l'atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC qui se sont achevés à Kinshasa. Images et commentaires.
Après 10 jours des travaux techniques organisés bien avant, puis 3 jours de réflexion du 11 au 13 janvier 2024, les travaux de l'atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC, initiative de Maître Marc Ekila Likombo, ministre de Transport, Voie de Communication et Désenclavement, sous le haut patronage du chef de l'État, se sont clôturés ce samedi dans la salle polyvalente José Mpanda du Crèche à Kinshasa. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de Jean-Marie Abolia, secrétaire général au transport, représentant la vice-ministre transport, Séraphine Kiloubou, désignée comme présidente de ces assises par le ministre de transport. Le rapport élaboré par le secrétariat technique de l'atelier, coordonné par le professeur Bobo Kabungu, directeur de cabinet adjoint, secondé par l'ingénieur Guillaume Moussengezi, conseiller aéronautique du ministre de Transport, Voie de Communication et Désenclavement, a été rendu public par les participants dans l'objectif de sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne avec 5 actions recommandées, dont le développement des plans d'action correctifs PAC dans les 3 domaines de sécurité, à savoir le domaine de licence du personnel, les opérations aériennes et la navigabilité des aéronefs. Clôturant les travaux, le secrétaire général de transport a insisté sur l'une des ambitions du ministère pour le sous-secteur du transport aérien pour cette année 2024 sous le leadership du ministre Marc Ekila Likombo. Les souhaits de son Excellence Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, et que je fais mien, est que 2024 soit effectivement une année de consolidation des acquis pour une meilleure mobilité des personnes et des biens. Présente à la clôture comme à l'ouverture, la DGA de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Natacha Emmanuela Bolombo, s'est réjouie de la tenue de ses assises. L'objectif le plus concret est de pouvoir sortir la RDC de l'exclusion dans l'espace aérien international. Il faut signaler que cet atelier aura été une occasion pour discuter sur la conjugaison des stratégies sectorielles appropriées de chaque démembrement du système de l'aviation civile. Tous les acteurs exploitants du transport aérien, notamment les compagnies aériennes et les sociétés d'assistance en escale, afin de suggérer un modèle de plaidoyer pour sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Direction Lualaba avec la poursuite des visites d'inspection de la gouverneure dans différents chantiers. Fifi Masouk a visité 2 chantiers, l'orphelinat des Moussompo et la direction des recettes du Lualaba. C'est un commentaire signé Yolande Voka. Samedi 13 janvier 2024, une journée arrosée par une pluie fine. Cela n'a pas empêché la gouverneure du Lualaba à poursuivre avec sa série de visites d'inspection de différents chantiers qu'elle a initiés sur recommandation du président Tshisekedi. Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé par l'orphelinat moderne du gouvernement provincial réservé aux filles. Il est situé dans l'agglomération Moussompo, territoire de Mouchacha. De la pharmacie, salle informatique, bloc sanitaire, au dortoir et réfectoire, la gouverneure Masuka a tenu à se rassurer de la construction de toutes les structures avant l'inauguration de ce chef-d'œuvre dans les tout prochains jours. Juste à côté, prend forme un autre orphelinat de même standard réservé aux garçons. Comme toujours, son souci étant de booster le moral des ouvriers pour qu'ils respectent la durée des travaux. Ces projets viennent des instructions du numéro 1. J'ai cité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réélu. Il a commencé par les 145 territoires en construisant les écoles pour que tous les enfants dans les recoins de la République démocratique du Congo puissent étudier dans de bonnes conditions. Pas seulement les enfants qui sont dans les familles, même les enfants qui sont en rupture familiale. Voilà, ils ont aujourd'hui une maison. Merci à la première dame, maman Denise Nyakero, qui nous a encouragés dans ce projet. Masuka Saini et sa suite étaient aussi sur le chantier de l'immeuble à 4 niveaux de la direction des recettes du Lualaba, Berlou, de l'avenue du 30 juin dans la commune Manika. La régie financière du Lualaba évoluant jusque-là dans des locaux de location, la gouverneure Masuka veut lui doter d'un bâtiment moderne qui fera la fierté de toute la province du Cobalt. Néanmoins, la meilleure élève de la vision Tshisekedi n'a pas caché son indignation auprès des responsables de l'entreprise à pied d'œuvre sur la lenteur observée ce dernier temps dans le déroulement des travaux.
Comme annoncé dans le sommaire, délabrement de la RN2 dans les territoires de Mwenga, plus de 100 camions bloqués depuis septembre 2023, un calvaire pour les usagers, risque maximal des maladies hydriques. Images et commentaires. Des milliers de personnes en transit forcé suite au délabrement très avancé de la RN2 au village Kilungutu et de Cheferi de Bourigne et Luinde en territoire de Mwenga traversent une vie difficile avec risque d'explosion des maladies d'origine hydrique. Alerte les sociétés civiles et les transporteurs ainsi que les riverains de cette route nationale. C'est plus de 100 camions bloqués depuis septembre 2023 entre les ponts Moudoubwe dans la chefferie de Bourigny et d'autres camions de l'autre côté du pont Kilungutu et dans la chefferie de Luinde en territoire de Mwenga où d'autres centaines de camionneurs vivent sur la route. Cela inquiète la population sur la montée des prix des produits de première nécessité. Ces camionneurs, convoyeurs, passagers, débardeurs ainsi que les passagers des taxis, voitures, motos, des jeeps privés vivent dans des maisonnettes en bâche construites pour exercer temporairement des activités commerciales, notamment restaurants de fortune, buvettes et boutiques pour la journée, mais transformées en dortoirs pendant la nuit. On signale déjà certains cas de maladies d'origine hydrique qui ont déjà entraîné la mort d'un convoyeur et d'autres qui sont malades. L'office des routes rassure la population que dans 48 heures, tous les camions seront évacués, a précisé le directeur provincial ad intérim de l'office des routes au sud Kivu, Alain Mugang. Notre premier objectif, c'est d'abord de soulager les usagers, laisser passer les véhicules et nous avons déjà pris des stratégies. Nous pensons que d'ici deux jours, nous allons essayer de libérer d'abord tous les véhicules qui sont bloqués sur le site. Ça nous permettra également de bien travailler. L'urgence s'impose pour que les humanitaires descendent à Kilungutu avant que les pires n'arrivent. On souhaitait certains observateurs le plus avisés. Revenons dans la capitale. Le paludisme continue de faire de la résistance dans les pays tropicaux. Pour lutter contre la malaria en RDC, le gouvernement de la République recommande l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Une campagne de distribution gratuite de ces moustiquaires a été lancée le week-end par le vice-ministre de la Santé, nous dit Edi Tchala. Dans le cadre de la lutte contre la malaria, la campagne de distribution gratuite des moustiquaires à Kinshasa a été lancée. C'est le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Serge-Emmanuel Olen, qui a donné le coup d'envoi samedi 13 janvier à l'Institut National Pilote d'Enseignement des Sciences de Santé. Organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et le SANRU, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, cette campagne se déroulera du 13 au 1er janvier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de lancer la campagne de distribution gratuite de 7 243 447 moustiquaires imprégnés pour une population estimée à 13 682 715 habitants répartis dans 2 533 851 ménages. 8057 trinômes en 7 jours afin de confirmer les performances de l'initiative faire reculer le paludisme en République démocratique du Congo. Rassurez-vous, cette campagne de distribution gratuite va couvrir tous les villages de la ville de Kinshasa et partant pour permettre à tout le monde de passer toute la nuit sous la moustiquaire brûlée d'insecticides. Pendant 7 jours, les agents commis à la distribution passeront porte à porte pour doter chaque ménage de cet outil efficace dans la lutte contre la malaria. Serge-Emmanuel Olen a indiqué à cette occasion que le gouvernement congolais compte introduire au courant de cette année, le vaccin des nourrissons et des enfants contre le paludisme dans le paquet interventionnel des luttes antipaludiques. Avant de souligner que la lutte contre la malaria est le cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers son méga-programme de couverture santé universelle. Lancé le 24 février 2023, l'établissement des transports des étudiants congolais totalise une année, son directeur général fait les bilans et parle des innovations. On écoute Georges Ongelo Danga au micro d'Eric Ndouziloya. Pour l'évaluation de Transacadémie, il faut reconnaître que Transacadémie a été lancée le 24 février 2023 pour l'année civile qui s'est clôturée le 31. Nous pouvons dire que tout va bien. Nous avons lancé des lignes, on veut commencer avec 3 lignes. Aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de lignes. L'étudiant congolais aujourd'hui a appris à circuler avec le bus Transacadémia. C'est devenu une réalité quotidienne, vous comprenez. La dématérialisation de paiement est devenue une réalité.
Nous avons intégré plusieurs structures de paiement, les télécos. Nous sommes en partenariat avec les banques. À la clôture de l'année 2023, moi et mon DGA, nous sommes descendus à l'unité pour lancer TAC Interurbain. C'est le réseau commercial. Le social, nous l'avons fait. L'étudiant paye à un prix dérisoire et il est servi. Mais la réalité est que nous devons pouvoir gérer et nous devons pouvoir répondre aux charges. Nos recettes étant minima, nous ne sommes pas à mesure de couvrir cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce que nous appelons les subventions d'équilibre. Ces subventions ne viennent pas d'une manière régulière. Nous avons d'énormes soucis. Nous avons saisi la tutelle du ministère des Transports pour lui présenter trois autres projets qui peuvent nous aider à pouvoir couvrir nos charges, tant soit peu. Nous avons les autocars, qui sont des bus prévus pour des longues distances. Nous en avons 20 qui sont des bus climatisés que nous utilisons régulièrement pour les locations. C'est ainsi que nous avons lancé Kinshasa Boma via Matadi. Nous avons aussi lancé Kinshasa Kikwit. Cette fois-ci, c'est pour les passagers, c'est pour le commun des mortels et sous l'autorisation de la tutelle. Dans un lot de nos bus Volvo, nous avons affecté un petit lot de ces bus pour en faire bus cargo. Paiement des impôts fonciers et impôts sur les revenus locatifs, toutes les communautés doivent être sensibilisées. La DGRK s'est entretenue avec la délégation de la communauté islamique en RDC sur cette question. On fait le point avec Rodé Panda. Pour maximiser les recettes de la ville-province Kinshasa, la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, ne veut pas laisser de côté une seule catégorie de personnes physiques ou morales. Tout le monde doit être informé et sensibilisé. Après la Fédération des entreprises du Congo et les médias, c'est le tour de bourgmestres et des confessions religieuses. Avec les représentants de la communauté islamique en RDC, le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka Maïlenkaï, a communiqué sa nouvelle politique de gestion et de mobilisation des recettes, mais surtout leur annoncer la période de la grande échéance fiscale du 1er février 2024 sur l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs revenus 2023. Très intéressé à ces échanges centrés sur la culture fiscale, la délégation de la communauté islamique au Congo a promis de relayer l'information à la base en encourageant tout le monde à payer son impôt. Les responsables de musulmans en RDC envisagent déjà la rencontre avec tous les imams de la ville de Kinshasa qui sont plus rapprochés des fidèles à payer leurs impôts fonciers et adhérer à la culture fiscale. Nous avons assisté à la rencontre avec la ville de la DGRK. C'est qui concerne la sensibilisation sur l'impôt foncier et l'impôt locatif. Voilà, l'été vraiment très intéressant que nous soyons informés et que notre devoir maintenant c'est de relier les réformations à la base. Donc sur ce, on a prévu une conférence avec les imams de tous les imams de la ville de Kinshasa, parce qu'ils sont avec la population à la base, et que après ça, et puis la sensibilisation va vraiment être bien atterri à l'oreille de tout le monde. Mais toutefois, nous demandons à tout celui qui est associé de passer à la banque, de payer son impôt. Il essaie de préciser que d'autres échéances intermédiaires sont déjà en cours d'exécution, telles que celle du 10 janvier 2024. Les différentes banques installées dans la ville de Kinshasa sont aussi concernées. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. La joie des élus après la publication par la CENI de la liste de 477 députés nationaux provisoirement élus. Vous avez suivi des réactions de Saint-Déliès et de vandalisme dans ces journaux. Et puis le trafic suspendu depuis septembre 2023 entre Kilungwetwe et Burundi dans les territoires des Mwenga, des centaines de camions bloqués dans des bourbiers suite au délabrement de la RN5. Des cas de maladies ont été signalés. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Et pour terminer, lutte contre le paludisme, le gouvernement de la République a recommandé l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux différentes familles. Une campagne de distribution gratuite des moustiquaires a été lancée dans la capitale. Voilà, ainsi se termine cette édition des 7 heures sur la RNT. Madame, messieurs, au nom des
Besson. Merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Merci à Patrick Bakwila et à Papi Vouele qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Jonathan Moubalaman, José Dimnekenega, Konga Alain Ngalia. Alors non, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision. Vision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Bon week-end, bon début de semaine à toutes et à tous.